Salut à tous, bienvenue dans le Flamenco Guitar Vlog. Aujourd'hui, on voit la 8e falsetta de notre Rumba Herencia Latina de Paco Peña. C'est parti! Rendez-vous sur le site japonleflamenco.com pour télécharger gratuitement la partition du jour. Vous pouvez me soutenir sur Tipeee, le lien est en description. Si vous souhaitez parfaire vos connaissances de guitare flamenca, rendez-vous sur le site japonleflamenco.com pour accéder à nos différentes formations. Pour me soutenir sur YouTube, pensez à vous abonner, pensez à activer la cloche, mettez des pouces et mettez des commentaires pour faire vivre la chaîne. Merci. Moustache, gracias. Donc, on sort de notre falsetta en picado. Et là, on va devoir faire comme des triades. Donc, on va se servir ici d'une forme de triade. En fait, c'est un extrait d'un reset. Vous connaissez le reset comme ça. On va prendre que les voix sur les cordes 2, 3, 4. Donc, ça nous fait 7, 5, 7. Moi, je le fais comme ça pour être plus à l'aise pour la transition. Donc, j'utilise majeur 7. Le majeur en 7, l'index en 5 et le troisième doigt en 7. Et là, on va faire pouce, pouce, index, pouce, pouce, index. Pa, 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 pa. Ça fait 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ensuite, je prends ce bloc, je décale mon index que d'une case et cela de deux cases. Ça nous ramène sur une forme de triangle qui est une triade de mi mineur. Donc là, j'ai 5, 4, 5. Et je fais le même motif. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Je reprends la même position qu'initialement et je la décale en 4, 2, 4. Ok ? Et je fais la même chose. 2, 3, 1, 2, 3. On est bon? Et là. Et là, l'idée, voilà, c'est que ce soit conclusif. Donc, soit un gros arpège, une belle descente de pouce, un bel arastre. On peut même faire ça. Moi, j'aime bien faire ça. C'est très conclusif. Donc, en fait, au niveau des accords, même si vous le jouez en duo, par exemple, avec quelqu'un, ici, le collègue joue Ré mineur, Ré 7. Ici, Mi mineur. Ici, Si 7. Et Mi mineur. Donc, en fait, ça fait... Donc ça, on va dire que c'est la question et la réponse, ça va être un truc plus, comment dire, moins syncopé, plus fluide, plus linéaire. On reprend les mêmes positions, mais là, ce coup-ci, on va faire pouce, pouce, index, pouce, pouce, index, pouce, index. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Donc si je vous fais les deux, 3, 4. Sympa à jouer, ça fait vraiment son effet dans le morceau. Allez, à la suite demain. Ciao !